Pactole Production Office de Lolo Moutima, le socle de la production congolaise. Merci le socle, Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. En 78, notre succès a fait que notre succès a entraîné même Papa Wemba à venir nous rejoindre en 79 au sein de la Frise. Il est venu, il s'est amené avec son guitariste aussi, Ringo Starr. Je les ai accueillis en tant que chef d'orchestre. Très bien, on était très bien. Et la mayonnaise n'a pas tellement pris, parce que vous savez ce qui s'est passé. Parce que, donc, un peu... Ça n'a pas duré, puis il est rentré dans son frère, la musique à Chéri. Donc, en même temps, il y a eu aussi Kofi Olomide qui est venu solliciter. On était avec lui. D'ailleurs, Wemba et Kofi se sont embrouillés au sein de la Frise. C'est là qu'a commencé la mésentente, si vous ne savez pas. Moi, j'étais là témoin. Parce qu'il y avait une chanson que Papa Wemba nous a présentée à la répétition, qui s'intitulait Lèvres Roses. Mais à part Lèvres Roses, c'était la chanson. Non, Moussika est l'amour choisi, et Melanga, la moi la maman. Hein. J'ai retenu tout. Yéle le Mariam, Zoukane Mariam, Namaboko Mayo, Ayoleli. Talanga yo yo, Mariam Talanga, Motona linga kayo, Bomba na misi sana yo, la mounanga, Lokola makila na yo, Yansoto, Nzambe hengo yambu, Kamba emeti anamotema, Nange lili na ye, Mama Santu Maria, Pesa yebo santu na yo, Nabokasi, Ayeba kolinganga, Ye ye me, Bon, je me limite aussi. Ngai na mi pesi, ngai na lingise yo, tika ko boyanga, polingo choisi. C'était la chanson de qui? Bon, au départ, c'était de Wemba. Puis Wemba venait de s'élever, il est rentré chez lui. Kofi est venu aussi solliciter. À son tour, il nous ramène la même chanson. Alors nous étions tous estomaqués, on ne savait plus à qui appartenait cette chanson. C'est là que des choses que je ne peux pas révéler ici, je ne les révélerai pas parce qu'il a dit des choses. Il m'a dit non, mais excusez-moi, mes chers, cette chanson n'appartient pas à moi, c'est ma chanson. C'est à moi. D'ailleurs, il a dit des choses que je préfère garder pour moi, pour le respect de ces deux monuments de notre musique. Quoi. Donc, voilà. Donc, c'est là où Wemba est parti tranquillement chez lui. Et Roche a dit, bon, Dédé, je ne prendrai plus personne. Voilà. Et nous avons continué. Lolo Moutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.